nos enveloppes, elles font 3400 m3. Elles font au début tout à plat au sol. Et à un moment, je les gonfle. Je les gonfle. Elles vont déplacer autour d'elles 3400 m3 d'air. Et ces 3400 m3 d'air, selon la loi d'Archimède, vont pousser du bas vers le haut. Alors, c'est infinitésimal par rapport à la force aérostatique de l'air chaud. Mais ça a quand même une petite influence. Voilà. Et après, en vol, le fait de monter et descendre, c'est simplement une régulation de la température à l'intérieur de l'enveloppe. J'arrête de chauffer, les molécules refroidissent, elles rétrécissent. Elles laissent de la place à d'autres molécules pour rentrer. L'enveloppe s'alourdit. Ok ? Je rechauffe, phénomène inverse, elles reprennent du volume, il y en a plein qui sortent. L'enveloppe devient plus légère.